Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo spéciale assistant Google, spéciale Google Home et pourquoi pas spéciale grand enfant, petit enfant et spéciale application Google. Alors, si vous aimez toutes les nouveautés sur votre Google Home, votre Nest Hub et tout ceci, bien sûr, pourra se faire via un smartphone ou une tablette. Donc, pas besoin forcément d'avoir un Google Home à la maison, il suffit d'être équipé soit d'un iPhone, soit d'un smartphone en général, sous Android, iOS, autre tablette. Et c'est parti donc pour cette vidéo un peu spéciale. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça encourage, plus de 40 000 abonnés, rejoignez la Team Vision et c'est parti pour le début de cette vidéo. Alors, on va commencer par lui demander de parler avec Lumi. Lumi, c'est parti. Parle avec Lumi. Je rigole, je sais parler français. Je peux réciter un poème si ça vous dit. Parlez avec Lumi. Bien sûr, je vous mets en relation avec Luni. Bonjour, tu viens d'entrer dans ma fabrique à histoire de Luni. Tu veux imaginer une nouvelle histoire ? Oui. C'est parti pour une nouvelle histoire. Qui en sera le héros ? Zoé ou Léo ? Zoé. Super ! Moi aussi j'adore Zoé. Où veux-tu l'emmener ? Dans le royaume des mers ? Au royaume de feu ? Ou bien au royaume de glace ? Royaume des mers. Le royaume des mers ? Quelle bonne idée ! Qui Zoé va-t-elle rencontrer ? Une sirène ? Ou une aventurière ? Une aventurière. Allons retrouver Zoé et l'aventurière au royaume des mers. De tous les royaumes, celui des mers était de loin le plus grand. Quand on avait fini d'explorer la... Voilà, donc je vous laisse découvrir cette application, Lumi, une application qui va pouvoir divertir vos enfants pendant ce temps de confinement qui, j'espère, se passe bien de votre côté. On continue la navigation sur ces applications, c'est parti. Et toujours sur le thème d'histoire, on part sur les petites histoires. Les petites histoires. Très bien, voici les petites histoires. Bonjour, je suis contente de te retrouver. Aujourd'hui, aimerais-tu écouter la très belle histoire de la Belle au bois dormant ? Non. As-tu déjà entendu l'histoire d'Heidi ? Veux-tu que je te la raconte ? Oui. Ok, je vais te raconter l'histoire d'Heidi. Il était une fois une petite fille nommée Heidi. Comme elle avait perdu... Heidi, tout le monde connaît Heidi. Parlez avec les petites histoires qui pourra vraiment amuser et qui pourra passionner vos enfants. On continue. Et juste avant d'aller au lit, pourquoi pas parler avec Souffleur de rêve. C'est parti. Souffleur de rêve. Très bien, je vous mets en contact avec Souffleur de rêve. Coucou. Quel bonheur de te retrouver chez Souffleur de rêve. Aujourd'hui, j'ai préparé trois histoires spécialement pour toi. Paul est jaloux. Maë et la pierre d'Anaya. L'anniversaire de Julia. Alors dis-moi, on écoute laquelle ? L'anniversaire de Julia. Chouette ! Moi aussi j'avais très envie d'écouter. L'anniversaire de Julia. Allez, prépare-toi, ça va commencer. Souffleur de rêve. Souffleur de rêve. Voilà donc, je vous laisse découvrir cette application qui pourra vraiment, et pour les endormir tout tranquillement. On continue et on va parler avec les animaux de la ferme. Très bien, je vous mets en contact avec les animaux de la ferme. Je m'appelle Léa et je suis à la ferme chez mon grand-père. Et toi, comment veux-tu que je t'appelle ? Christophe. Bonjour, Christophe. J'ai perdu mon chien Pitou. Aide-moi à le retrouver. Tu as entendu ce bruit ? Quel est cet animal ? Le chien.
Oui, c'est mon chat Pitou. Voilà, donc les animaux de la ferme va vraiment amuser vos enfants et ça peut même amuser les grands. On continue. Et on va parler avec Pique-Bois Curieux. Parler avec Pique-Bois Curieux. Bien sûr, je vous mets en contact avec Pique-Bois Curieux. Qui est là? C'est Christophe. Veux-tu découvrir avec moi des bruits de mes amis animaux? Oui. Génial, par quoi commence-t-on? Les animaux de la forêt, les animaux de la mer ou les animaux de la ferme? N'hésitez pas à la tester, c'est vraiment génial, vos enfants vont se régaler. On continue avec... Parler avec mon jardin musical. Très bien, je vous mets en contact avec mon jardin musical. Coucou, bienvenue dans ton jardin musical. Alors, je me présente, moi c'est Léon, je suis le lapin du jardin. Et c'est moi qui vais te guider. Je vais t'emmener découvrir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire tester vos enfants sur le jardin musical. Un vrai régal. On continue. Voilà donc pour ces petites applications pour amuser vos enfants, les petits et les grands. Pourquoi pas vous-même. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis. S'ils ont des enfants, ça peut vraiment les aider à s'amuser. Et ceci sur tablette, sur smartphone, iOS, Android, iPhone et sur tous les supports qui possède un Google Assistant, un assistant vocal. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez. Salut à tous.